Yo, what's up? Dans le fond, c'est l'heure de finir mon swap dans le street garage à la pluie, mais c'est pas grave, il faut ce qu'il faut. Revenir aux origines, comme dans le bon vieux temps, dans le début de YouTube. Anyway. Bon, on va peut-être s'arranger un setup de fortune, là. Lui, il a parqué son char direct à côté. Yo, j'avais une bâche dans mon Civic, je me suis dit, on va installer la bâche. Hey, c'est un parachute! C'est énorme, là! Genre, c'est la plus grosse bâche que j'ai vue de toute ma vie, là. No shit! En tout cas, là, ça paraît même pas comment c'est énorme, là. Mais genre... Yo! En tout cas... Un beau petit setup! Fait que là, je peux taponner, bien protégé. Check ça, là. Oh! Un piquette! Il est pas mal bien haut, ton piquette! Ah! Ben! Il va falloir donner du loose n'importe. Oh, c'est écœurant. C'est écœurant. Tu rentres ici. Poup, poup, poup. Avec le gros bout de bois ici. Ben haut. Là. Direct de bout. Ben protégé. Wow. Je suis rendu princesse, moi, depuis que j'ai une garage. Un garage, man. Je suis rendu une princesse, man. Je suis comme, non, je vais pas faire ça dans la pluie. Là. Hey, wow, wow, wow. Je le faisais dans le temps, mais là, j'ai goûté à meilleur. Là, j'en reviendrai pas en arrière. Bon, toujours dans le petit abri de fortune, Chris a bugué. Je pense que le dessus il est pas mal fait là. Genre la fuel rail est faite. Là genre, en tout cas genre toutes mes bottes étaient pétées, fait que là j'avais amené des bottes neuves là, mais il restait juste 3 d'empreintes. Fait qu'au moins là ça tient pour partir à soir, on va dire. T'sais, clutch slave a été réinstallé, les deux supports en avant ils ont été réinstallés. J'ai fait la T-bracket en arrière, là j'étais en dessous justement en train de... c'est en train d'essayer de remettre les rods de shifter. Mais j'ai perdu la petite bitch pin. Je me demandais de voir si je l'avais pas laissé là-dedans, mais ça c'est important. Mais la bitch pin... elle se met pas et où? Je vais aller voir... On va aller voir où est-ce que j'ai défait mon swap là. Genre là-bas. J'étais en dessous du char, je me rappelle, j'allais dépiner, elle a revolé, mais je me rappelle pas l'avoir ramassé, puis je me rappelle pas l'avoir mis nulle part. Fait que, en tout cas, va falloir que je cherche un peu pour la trouver, sinon les rods de shifter, ça va être la merde. Bon, petit update sur le Civic. Dans le fond, là, je viens de changer l'huile. Je pensais changer le filtreur, mais il était déjà déficit, fait que j'ai juste remis un filtreur neuf. J'ai vidé l'huile parce qu'il restait de l'huile dedans. J'ai remis la botte, en tout cas la botte de panne à huile, là. À mon nez, elle vissait comme un peu plus tard. J'attendais qu'elle s'accote, puis là, pouf, elle s'est mise à visser dans le beurre. Fait que là, la botte de panne à huile est strippée, mais elle est pas strippée. Tu sais, c'est les filets qui sont strippés, là. C'est pas, mettons, la douille, genre, qui est strippée, là, en tout cas, whatever. Fait que là, je sais pas si c'est les filets de la note qui sont strippés, ben, les filets de la botte à l'huile qui sont strippés, ou les filets dans la panne à huile qui sont strippés, mais en tout cas, puis là, mon gaskette de panne à huile, il coule. Fait que fallait déjà que j'enlève la panne pour faire mon gaskette un jour. Fait que je vais sûrement juste acheter une panne, ça doit pas valoir une fortune. Puis, fait que je vais mettre sûrement une nouvelle panne avec une nouvelle botte de panne. Sûrement qu'elle va venir avec un nouveau gasket. Un jour, éventuellement. Mais là, en tout cas, pour l'instant, ça coulera pas, c'est good. Fait que là, en haut, c'est pas mal tout fait. Là, il va falloir que je m'achète justement des cassins, en tout cas. Mais, tu sais, pour le reste, c'est fait. Le radiateur, là, faut que je le remplisse. Mais ça, c'est beau. Je pense que la transmission, il va falloir que je la remplisse aussi. Mais genre, je vais mettre de la 10-30 dedans. Ça a l'air bizarre de même, mais ça a l'air que l'Honda, on peut faire ça. Ouais, là, j'ai mon cardan. Là, j'ai remonté, genre, dans le fond, le cardan, tout ça, ce bord-là, c'est bien correct. Le cardan de ce bord-là, il est comme rentré, les splines sont rentrés dans la transmission, mais il y a comme un gap, là. Je suis pas capable de le popper comme faut. Puis, tu sais, j'ai confirmé que l'autre bord, il est bien poppé, puis ce bord-là, il est pas bien poppé. Fait que là, en tout cas, c'est un peu de la merde. Va falloir que je check ça avant de le partir. Mais sinon, je serais quasiment prêt. Là, je mets une batterie dedans, je pourrais mettre du Prestone, même si c'est pas super important. Là, je pourrais le partir pareil. Ah, c'est vrai, faut que j'ajuste mon throttle. Ah, tu l'as ajusté, toi, ça se peut-tu? Gros, le trottle, il était pas censé être ajusté. Ah, il y a quelqu'un qui a ajusté le trottle. Peut-être hier, je m'en rappelle plus. Ah, puis il reste aussi la bitch pin en dessous, que là, j'ai perdu la bitch pin. Fait qu'en tout cas, c'est genre des petits cossins de merde de même. Là. Genre là, la bitch pin, ça fait que les rats de shifter, c'est de la merde. Et j'ai un cardan qui rentre pas, qui est un peu de la merde, mais il va falloir que je me batte avec, c'est pas tant grave. Puis, la botte de panne à huile qui est de la merde. À part de ça, remplir le Prestone, remettre une batterie. Je pense que c'est pas mal tout.
Bon, dans le fond, on va faire. Je retrouve ma batterie, parce que ça, c'est pas ma batterie, puis je la traîne dans le garage de Normand, fait que d'après moi, elle est peut-être plus bonne ou tout quoi. Je pense que la mienne est dans mon Sylvia, fait qu'il va falloir j'aille chez nous, dans mon Sylvia, chercher ma batterie. Après ça, je vais pouvoir mettre ma batterie. Il faut que je mette de l'huile dans la transmission, mais elle se remplit pas par le dessus, elle se remplit par le côté. Fait qu'il va me falloir un entonnoir avec un long tuyau que j'ai au garage. Il va falloir aller chercher ça, remplir la transmission. Après ça, techniquement, le char est censé partir. Après ça. Puis, c'était quoi l'autre vidange? Ah, les rods de shifter en dessous. Les rods de shifter en dessous, j'ai perdu la bitch pin. Fait que là, il va falloir que j'arrange de quoi avec ça si je veux le rouler. Mais en tout cas, j'étais à deux petites étapes de partir le char, puis mettons une étape de plus de le rouler. Puis, j'ai les bitch pins, pas les bitch pins, mais les cutter pins qui vont dans le bas joint puis dans ta rod, là, que là, je les ai plus, là, vu que les miennes étaient trop croustillantes. Là, je pense que j'en ai au garage, fait que je vais me ramener des cutter pins pour mettre dedans. Puis, avec les cutter pins, je vais peut-être pouvoir aussi, genre, m'arranger une genre de bitch pin, là, genre temporaire ou de quoi de genre, là. Fait que c'est ça, faut que j'aille faire un tour au garage. Puis après ça, ça va peut-être bien rouler. Juste avant d'aller là, pendant qu'il fait clair, parce que moi que j'en viens, il va faire noir, là, je veux juste enlever... C'est clairement le premier slime qui a chié, là, c'est direct vis-à-vis là. Mais genre, on voit, il y a un gros trou à la panne là, il y a un gros trou à la panne là, puis ici, il n'y a pas de trou, mais c'est parce que dans le fond, l'exhaust, t'as un peu l'intake qui est là. Fait que l'exhaust, hein, il passe, genre, les headers, ils passent là. Après ça, l'exhaust, genre, il passe direct là. Puis genre, tabarnak, hey, on voit un morceau ici de moulé, man. Tu vois que la rod a imprégné dedans, en tout cas. Mais genre, finalement, là, ça aurait sûrement défoncé, puis la rod aurait sorti, sauf que. Genre, ça aurait défoncé la panne à huile, mais vu que l'exhaust était là, puis l'exhaust c'est gros puis épais, ça a pas défoncé l'exhaust, fait que genre, tout est resté là. Mais là, en tout cas, juste pour le trip, on va défaire ça. Ah, crèche, j'en ai un gasket, là. On va prendre ce gasket-là, Big. On peut même prendre la panne avec. On va peut-être pas la panne. Ah, oh, elle m'en calisse. C'est un beater. On va faire la job. Prêt pour la surprise? Ouh! Ouh! Big, la rode, elle a crochi, man! Cassé, man! Pulvérisé, man! Puis qu'il y en a un autre bout de site. Ouais, gros, le crank, il est bouffé solide et tout, man! Puis genre, la petite partie ici. Gros check! La pompe à huile, man, elle est bourrée de mâche-fer. Bourré de mâche-fer, man. Le piston est encore dans le fond là-bas. Avec un bout de. avec un bout de cap. Il y a un bout de cap là, il y a un bout de cap là, man. Il y a un bout de piston, man. Rod. Aïe aïe. Faire du red. Gros. Ah, man, il y a une sleeve qui traîne là, man. Dans le fond de celle-là, là, genre, en tout cas. Yo. Bon, back du garage, j'ai checké le setup. Moi, le setup, il me fait trop triper, pour vrai. Le carol avec les lumières allumées, man, c'est comme en plein jour ici. T'sais. On voit tellement bien, il nous pleut pas dessus. En plus, là, le moteur, il est chaud, ça nous fait une belle petite chaleur. Parfait, on peut se griller des guimauves, du bacon, des œufs, man. Tout le shit. Là, je me suis ramené une lumière de fou. Mais là, de toute façon, là, son Corolla, il allume, là, fait que c'est pas pire. Puis, petit update aussi, là, ça, ici, c'est les hoses d'air climatisé. Dans le fond, moi, il avait été coupé, genre, puis là, il passait, genre, en tout cas, ici, c'est genre proche du support moteur, puis ici, c'est genre le Chuck Tower, puis ici, c'est le Firewall. Puis là, il était dans mes jambes, hein, tantôt, puis il me faisait chier, fait qu'il y avait juste deux petites bottes, fait que j'ai arraché ça. Weight reduction, motherfucker. Fait que là, ben, je me suis retrouvé une batterie, ça, c'est. Dans le fond, j'ai pas retrouvé ma batterie, mais ça, c'est la batterie du Civic Turbo. C'est une batterie neuve, fait que ça devrait bien aller. J'ai ramené dans le fond l'entonnoir pour avec le tuyau pour remplir la transmission. Puis, j'ai des cutter pins. Je me suis acheté des cutter pins, il y en a toutes les grosseurs. Fait que pour mes bons joints à rod, ça devrait être good. Puis pour la bitch pin, soit je vais mettre une cutter pin. Ben, en fait, soit je vais mettre une boat, une note avec une boat. Si c'est la bonne grosseur que j'ai acheté, sinon je vais m'arranger avec une cutter pin au pire. Fait que d'après moi, là, il reste pas grand chose à faire pour que ça marche, cette histoire-là. J'ai encore de la place en masse en dessous. C'est quoi ça? Ah, bon, c'est la rod de shifter, justement. Bon, c'est redneck, mais j'ai mis une boat 10 mm. Puis là, la boat 10 mm, c'était trop lousse. Fait que là, j'ai pris une cutter pin, puis j'ai coupé des bouts
Puis là, je vais mettre en tout cas la note au bout de ça, puis on va souhaiter que ce soit le best. Bon ben, voici le grand moment. Je vais lui donner un autre coup de clé là, pour la pompe à gaz pis tout là. Vu qu'on a vidé la pression de la ligne à gaz pis blablabla blablabla. On le met au nerd. Au cas où il y a un fuck. La clutch elle file lousse, elle file fucké un peu. Hey, ma clutch, elle file bizarre, mon gars, hein? Pas pareil, là, à cause de la clutch neuve. Pas de compression. Tu trouves? Ouais, c'est bon, ça. Dans le fond, j'étais pas capable d'enlever les deux bougies là parce que il y avait un genre de petit cils de rubber dessus. Genre, en tout cas, je dévisse, je check, je suis comme, voyons, pourquoi ça marche pas? Je m'en vais checker dans le trou justement, puis genre, je voyais pas d'hexagone, là. Il y avait genre ça par-dessus. Là, je pensais les enlever avec une pince, c'est pour ça que j'ai commencé à grinder mes pinces. Là, Normand, il m'a dit, ah non, prends l'autre vitange que j'ai déjà perdu. Ah, il m'a donné un fil de stainless. Il a plié le bout, puis là, ben là, j'étais là dans le fond. En train d'essayer d'aller chercher. Oups, je l'ai piqué, je l'ai sorti, ça a marché. That's it. Parce que dans le fond, Normand, il me disait que. Ben en fait, excusez, j'ai pas fait de vidéo hier, mais. Hier, ça partait pas. Puis, dans le fond, ici, ça, c'est le régulateur de pression de gaz. Ça, c'est la ligne à gaz. Ça, c'est le régulateur de pression de gaz. Puis ici, il y a un petit tuyau. Le petit tuyau est censé se plugger dans l'intake pour avoir un vacuum. Mais là, on voit que ça a été cassé. Puis j'ai regardé sur l'ancien bloc. Puis c'est censé aller direct ici. Au bas de mon doigt. Ben, il est cassé. Puis genre, c'est censé être une petite étine de métal qui sort d'intake. Fait que là, j'étais comment, mon intake est cassé, je vais le changer. Mais Normand, il m'a dit non. Fais comme. Fais ça, dans le fond, là. Mettons. Fais un affaire de même. Fait que c'est ça qu'il faudrait que je fasse, là. Je sais pas où je vais faire ça. Fait que c'est peut-être pour ça qu'il partait pas. Mais en tout cas, là, j'ai essayé de le montrer à Normand. Puis là, il m'a dit, ah, ça a l'air comme s'il n'y a pas de compression. Fait que là, je suis parti pour faire un test de compression, là. On a eu 2-3 coups de clé, là. Tu tiens plus le gaz? Là non. Gros, il y a idle à 2300 tours, man. Ah, il est doux pareil, hein? T'attendais pas que t'as un bearing? J'ai mis le bearing. Bearing de clutch? Ouais. Là, t'as pied sur la clutch? Ouais. Ok, c'est l'inverse. C'est dans la transmission, ouais, le bearing de transmission, man. Il... V'là un an, je me suis dit, Chris, il t'offre pas un mois. Finalement, il a toffé. Ben, oui, ça change pas, là. Ben là, il crosse le vacuum, mais il y a une foutre de vacuum, donc c'est normal, là, mais... Non, c'est peut-être pour ça et tout qu'il vire haut. De quoi? Je veux juste essayer de quoi pour le fun? Hein? Je vais essayer quelque chose. Ah, j'étais en 1, man. Parce que les rods de shifter, j'ai pas de bitch pin, là. Ah ouais? J'étais en 1, ça avance, ça marche. Ouais. Bon, ben, that's it, dans le fond... Probablement, là, j'y avais même pas pensé. Normalement, il m'a dit, ah, tu sais, là, on a remis les bougies, genre. Parce qu'en fond, on a fait un test de compression, là. Là, j'ai pas tout compris parce que moi, j'ai pas checké les chiffres. Lui, il était ici, là. Mais il y en avait un qui avait 60, il y en a un qui avait 80. Je pense que c'était genre 60, 120, 170, puis 80. J'étais là, yo, c'est sûr, tu niaises, là. Genre, ça va me prendre un bloc, mais en tout cas. Là, finalement, vu que, tu sais, probablement que les fils de la bougie, ça cotait pas au fond à cause des petits rubber cons, là, que j'ai enlevés.
Puis là, on a juste replacé ça, puis le paf, il est reparti d'attitude, là. Mais là, avant d'aller faire un tour, il faut que je check mon huile, vu que j'ai fait le changement d'huile. Je vais juste rechecker, vu que là, le filtre s'est rempli. Puis je vais checker pour... là, il y a une fuite de vacuum, là, justement, dans l'arrière. Il faudrait que je bouche ça, puis je fasse de quoi pour plugger ça ici. Puis après ça, je vais le réessayer, là. Ben, 222 238 km et on est parti pour une nouvelle aventure. Civic de course, ça. Ah non, pas celle-là, là. Je te parle de lui, hein. C'est un Civic de course, Big, check ça. Il y a un moteur dans la valise, man. Tabarnak, ça doit tirer. Ça sera pas long, Big, je vais être un peu en retard. Faut que j'aille au Canadian Tire, man, pour suivre la mode, là. Check-moi les belles petites moulures chrome. Le contour de lumière, les tours d'ailes, tabarnak, j'ai pas le choix. Si je vais mettre sur mon Silvia, let's go!